vu son gros pec et puis sa coiffure. On dirait qu'il s'est disputé avec son coiffeur. Pourquoi dis-tu ça? Tu lui fais de la peine et ça ne sert à rien. Et toi, t'as vu ta couleur? Tu t'habilles chez Barbie? Rollard, va t'habiller dans la poubelle de ta grand-mère. Tu ne peux pas dire ça. On dit ce qu'on veut, face de prout. Et tête de chou, va pleurnicher chez ta mère. Tu vas voir ce qui va arriver à ta tête de chou. Sans son nez. Vite, cherchez-le. Mince, je ne savais pas que ça tournerait mal. On y était un peu fort. Oui, je regrette. Il faut retrouver le nez tout de suite. J'ai peur. J'espère que le clone ne va pas mourir. Tracasse, tu as vu comme il a mal? Ha ha ha, bien fait pour sa poire. Regarde ce que tu as fait. Aimerais-tu être à sa place? Mais qui est-ce qui t'a pris? Oh, mais j'aime bien démontrer que je suis là, que je suis forte, que j'ai des amis. Mais au fond de moi, je ne suis pas méchante. Mais si tu es méchante, tu es comme moi. Allons, tous les enfants ont un bon cœur, mais ils ne l'écoutent pas toujours. Ça ne sert à rien de faire la maline. On n'a que des ennuis. Ce n'est pas amusant. Je vais m'excuser auprès du clown. Ah, quelle bonne idée. Tiens, rends-lui son nez. Pardon le clown, je ne voulais pas te blesser. Merci Potter, tu m'as fait beaucoup de peine. Il y a des mots qui blessent autant que des coups. Nous avons bien compris le clown, on ne le fera jamais plus. C'est promis, tu veux bien nous pardonner le clown? Qu'est-ce que vous en pensez mes amis? Faisons la paix, la guerre ne sert qu'à se faire du mal. Et merci d'avoir rendu le nez au clown. On ne doit plus se battre. Bon d'accord, on va oublier cette vilaine histoire. On est bien plus heureux quand on vit en paix que quand on se bat. Inscrivez-vous et retrouvez toutes nos émissions sur notre site www.maclassesatellite.be.